Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Que la grâce du salut, vraiment, soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Qui est toujours la tempérance, la foi et la fidélité soient votre partage, sans toutefois oublier la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur et la grâce de l'obéissance la grâce de l'obéissance à la parole du Seigneur soit votre partage, la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos compositions soit votre partage et la grâce de la sanctification totale, complète, l'intérieur et l'extérieur. En toutes choses, dépouillement sur tous les domaines de notre vie, soit notre partage, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, donc vraiment, nous bénissons encore le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui continue toujours à nous multiplier des grâces à tout moment, bien-aimé, à nous multiplier des grâces vraiment, en nous accordant des thèmes. Parce que comme il dit, il a sa parole que il dira sa parole que celui qui sème, celui qui sème bien-aimé, il reçoit encore. Voilà. Ça veut dire que sémer, nous sémons la parole. Quand nous prêchons, on sème la parole. Voilà. Ça veut dire que si tu sèmes la parole beaucoup, tu reçois encore davantage. Okay. Il dit que celui qui sème peu moissonne peu. Ça veut dire que si celui qui sème la parole beaucoup, celui qui prêche beaucoup, celui même qui manifeste le don que Dieu l'a donné, manifeste aussi le don, c'est s'aimer bien-aimé. Ça veut dire que la manière que tu sèmes, c'est aussi comme ça que Dieu multiplie, Dieu développe bien-aimé. Alléluia. Dieu, il multiplie. Ça veut dire que celui qui sème beaucoup, il moissonne beaucoup. Ça veut dire que quand tu sèmes, tu manifestes ton don beaucoup bien-aimé, en faveur des autres, pour aider les autres. Je t'assure, le Seigneur se rassure, tu moissonnes encore beaucoup en retour. Ça veut dire que Dieu déverse encore davantage. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je vais rapidement recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur. Donc, vraiment, que tous les bien-aimés, que le Seigneur bénisse encore, tous les bien-aimés encore, et que la grâce du Seigneur vraiment continue toujours à être avec vous tous. Vous voyez, la grâce comme nous avons toujours pour habitude. La grâce du salut éternel, la grâce bien-aimée, vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, vous voyez, la foi bien-aimée. Soit tu veux que partage, soit tu vois bien la grâce de l'humilité, soit tu veux que partage la grâce à la soumission, la parole, soit toujours veux que partage bien-aimée, la grâce bien-aimée, la grâce vraiment de la vie, de sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, soit toujours veux que partage. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, bien-aimé, vraiment, Père éternel, éternel des armées tout-puissant, Seigneur, je te loue, je te magnifie, je t'exalte, j'élève ma voix, c'est vers ton son trône en ce moment, Seigneur. Père, parce que je sais que c'est j'ai cet espoir, j'ai cette espérance, et je reconnais, Père, ce n'est que vers toi que, Seigneur, vient l'inspiration. Ce n'est que vient vers toi que, Père, vienne la révélation sur ta parole. Seigneur, je me rabaisse en ce moment afin que toi tu sois élevé, Père. Seigneur, je me réduis, Seigneur, en cendres, Seigneur, en boue, en poussière, afin que, Père, tu prennes total contrôle, Seigneur, Père. Seigneur, je t'implore, Seigneur, que je disparaisse et que toi tu apparaisses maintenant, Père. Toi tu prennes total contrôle en ce moment, Seigneur, Père. Seigneur, je t'en supplie. Je te recommande, Père, ce moment de prédication. Je te recommande ce moment de prédication entre tes mains. Afin que l'esprit de vérité de me conduire dans toute la vérité en ce moment, Père. L'esprit de justice, Père, de me conduire dans toute la vérité, Père. Je t'implore de venir saisir ma langue, Père. De saisir ma bouche, Père. De saisir mon cœur pour parler à ton peuple, Seigneur, Père. Seigneur. Tu dis qu'un peuple sans révélation, Seigneur, le peuple là, Seigneur, est mort, Seigneur. Père,
Je t'en supplie que les paroles que tu as déclarées, Seigneur, de ma bouche pendant cette prédication, que ce soit des paroles de vie, Seigneur Père, des paroles qui impactent, Père, des paroles qui brisent les chaînes, Père, des paroles qui libèrent, Père, des paroles qui guérissent le cœur, Père, des paroles qui guérissent, Père, Seigneur, l'âme et l'esprit, Seigneur Père. Ce soit des paroles, cette prédication renverse des forteresses. Des forteresses, Père, dans des pensées, Père, dans des raisonnements, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, puissant, Seigneur. Oh Seigneur, je t'implore que le feu de prédication, Seigneur, saisit ma langue, saisit mon cœur. Le feu de révélation, le feu d'autorité spirituelle. Saint-Esprit de l'Éternel. Oh Seigneur, saisis en ce moment, Père, afin que cette prédication, Père, donne des fruits dans les cœurs. Et que là où, Père, les cœurs étaient déserts, que ça fait que les fleurs poussent dans ces cœurs. Au nom puissant de Jésus, Père. Seigneur, là où c'était sec, Seigneur, que l'eau jaillisse, Père, au milieu, Père, de ces déserts dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus, Père. Et de rendre cette prédication féconde dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, je vous invite, bien-aimés, à se disposer en esprit, en vérité, bien-aimés. En esprit et en vérité, parce que le Seigneur a encore des choses à dire. Le Saint-Esprit a encore des choses à enseigner, bien-aimés, à prêcher. Alléluia, bien-aimés. À prêcher, parce que chaque jour, nous devons découvrir des nouvelles choses. Père, nous devons découvrir des nouvelles choses chaque jour. Père, on peut écouter une prédication ou un enseignement. Il y a des choses que nous sommes habitués à entendre. Il y a certaines choses que vous êtes habitués à entendre, vous allez entendre à l'intérieur. Mais il y a des nouvelles choses, des nouvelles choses qui s'ajoutent, bien-aimé. Et ce sont ces nouvelles choses-là, bien-aimé, que le Seigneur attire l'attention. Ce n'est pas à une seule personne, mais à tout le monde. Alléluia. Le Seigneur ne fait point d'acception. La parole de Dieu ne fait point d'acception, bien-aimé. Point d'acception, bien-aimé. Même la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu est indubitable. On ne discute pas avec la parole du Seigneur. Bien-aimé, quand on écoute la parole, si on sent que dans notre cœur, bien-aimé, sans confort, bien-aimé. Non. Aligne-toi avec la parole. C'est la parole, bien-aimé. Conseil, la parole juge ton cœur. Ce n'est pas l'homme qui juge. Quand nous écoutons la parole de Dieu vient éclairer là encore les ténèbres en nous. Ça vient éclairer là encore les ténèbres dans notre cœur. Et lorsque cette parole est claire, bien aimé, ce qu'il y a lui à faire, c'est se repentir. Après, à se repentir, se purifier dans le sang de Christ. Yes. Et si cet homme des ténèbres, bien aimé, te retient captif, ou cet homme des ténèbres, bien aimé, te domine, prie l'Éternel. Le Dieu de libération, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, yes. Il est venu pour libérer les captifs. Bien aimé, il n'y a aucune œuvre des ténèbres qui peut dépasser Christ. Bien aimé, à déraciner, yes. À briser. À extraire, on appelle ça l'extraction. L'extraction, bien-aimé, des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, les œuvres des ténèbres ne finissent pas une fois sur nous. Hein. Au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, le Seigneur, il nous révèle. Dieu peut te révéler par les songes, il peut te révéler par la parole. Quand on est en train de prêcher, quand tu es en train de méditer la parole, il peut te révéler, il peut te créer une œuvre des ténèbres qui est encore en toi, bien-aimé. Ça peut arriver que Dieu peut permettre des circonstances pour te révéler ces ténèbres qui sont encore en toi, bien-aimé. Et la première chose, quand nous voyons, hey, quand je constate, mais la repentance est nécessaire. Après la repentance, tu te purifies. Après la purification, tu demandes à Dieu de te délivrer, Seigneur. Oui, délivre-moi de ceci. Tu dois haïr cette œuvre des ténèbres. Yes. Bien-aimé, haïssez. Les œuvres des ténèbres, la parole de Dieu dit dans Apocalypse. Apocalypse, bien-aimé, la parole de Dieu dit que. Il dit que quiconque aime et pratique le mensonge hors de la vie sainte. Ouais, s'il y a des ténèbres en nous, il y a un péché en nous, il y a un défaut en nous qui n'est pas caché de la parole. Et si nous aimons ces défauts, nous aimons ces œuvres de ténèbres, nous aimons ça, bien-aimé. Ça veut dire que, bien-aimé, on dit que celui qui aime hors le mensonge, quand on dit que celui qui aime et pratique
On doit haïr. Une œuvre des ténèbres, si j'ai haï cette œuvre des ténèbres, directement je vais prier Dieu qui me donne cette œuvre des ténèbres. Mais si j'aime cette œuvre des ténèbres, je ne peux pas prier les ténèbres. Oui. Je ne vais pas prier. Je ne veux pas prier les ténèbres, bien-aimé. Tu vas prendre ça comme si, donc, c'est ça, bien-aimé. Tu dois, bien-aimé, nous ne devons pas, nous ne devons pas dire que non. Non, on doit prier les ténèbres. Et quand tu pries, tu dois persévérer, bien-aimé. Ce n'est pas là que ça part. Tu dois continuer à persévérer. Alléluia. Donc, bien-aimé, donc, voilà pourquoi je vais déjà annoncer le thème de notre prédication, qui est intitulé « Le Seigneur me fait grâce vraiment de venir encore prêcher » sur notre thème de prédication qui est utilisé. « L'Esprit de Dieu ne marche pas selon les caprices de l'émotion familiale et de la chair. » Alléluia, bien-aimé. Je répète encore le thème, la deuxième fois, avec puissance et autorité de Jésus-Christ de Nazareth, pour que les fondements soient brisés, bien-aimés, soient renversés. La parole de l'Éternel, le Seigneur m'a encore fait grâce de venir prêcher sur le thème de notre présentation qui est intitulé « L'Esprit de Dieu ne marche pas selon les caprices de l'émotion familiale et la chair. » Donc ça veut dire qu'en même temps, les caprices de l'émotion familiale, aussi les caprices de la chair. Voilà. Je répète la dernière, la troisième fois, bien-aimés. L'Esprit de l'Éternel nous a encore accordé cette grâce excellente à nous tous, afin que je vienne prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé L'Esprit de Dieu ne marche pas selon les caprices de l'émotion familiale et les caprices de l'émotion de la chair. Oui, les caprices de la chair, l'Esprit de Dieu n'est pas là, bien-aimé. Bien-aimé, quand nous sommes dans l'émotion familiale, les désirs de la chair, là nous sommes dans les caprices de l'émotion familiale, les caprices des désirs de la chair. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi, bien-aimé. Il n'est même pas avec toi. Sans tu agis en ce sens, il n'est même pas là, bien-aimé. Il n'est pas là. Donc ne confondons pas entre l'émotion familiale, entre les caprices de la chair et l'Esprit de Dieu. On ne doit pas confondre. Nous ne devons pas confondre l'esprit avec l'esprit de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Or, dans les caprices de la chair, il y a les erreurs. Dans les caprices de l'émotion familiale, il y a les erreurs. Yes. Avec le cas, quand nous marchons en esprit bien-aimé, l'ennemi ne peut pas faire que nous tombons. L'ennemi ne peut pas. On ne peut pas tomber ni dans aucune tentation, ni dans aucun piège, ni dans aucun filet de l'ennemi bien-aimé. Je sais que vous donnez la différence entre marcher selon l'esprit et marcher selon les caprices de l'émotion familiale ou les caprices de désir de la chair. Or, la différence qu'il y a entre marcher en esprit et marcher selon les caprices de l'émotion familiale et l'émotion de la chair, la différence c'est quoi? La différence c'est quand tu marches en esprit, bien-aimé, tu ne peux pas tomber dans le pied de l'ennemi. Tu marches en esprit, bien-aimé, tu ne peux pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu marches en esprit. Même s'il y a des tentations, tu ne vas pas tomber dans les tentations. Tu marches en esprit, bien-aimé. Yes. Même s'il y a des attaques, bien-aimé, tu vas surmonter. Tu marches en esprit, bien-aimé. Même s'il y a des persécutions, yes, tu surmontes. Tu marches en esprit, bien-aimé. Même s'il y a tout ce que l'ennemi peut faire, tu vas surmonter. Tu vas rester ferme, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, écoutez très bien. Voilà ce qu'on appelle l'esprit. Oh, quand tu marches selon les caprices de l'émotion familiale, les caprices de la chair, yes, tu vas tomber dans les pièges. Tu ne vas pas supporter les tentations, bien-aimé. Tu vas tomber. Tu passes ton temps à accuser les autres, bien-aimé. Tu vas tomber, bien-aimé. Tu vas tomber, bien-aimé. Yes, on appelle ça, bien-aimé, la réalité spirituelle. Le corps physique n'est qu'une enveloppe. Mal à ce corps physique, bien-aimé, si nous marchons selon cette chair, bien-aimé. Tu marches selon la chair et il te fera bien. Bien-aimé, si on ne joue pas. Attention, quand tu as pris la résolution de marcher selon la sainte doctrine, bien-aimé, fais très très attention. Très très attention, bien-aimé. Quand nous avons pris la résolution de suivre Christ, attention, bien-aimé, de marcher selon les caprices de l'émotion familiale, les caprices de la chair. Attention, bien-aimé,
Vous voyez? Oh, la parole de Dieu, c'est l'épée à deux tranchants. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de l'Éternel, yes, c'est le spectre lumineux périmé. Or, quand nous parlons de spectre lumineux, c'est l'ensemble des rayons lumineux périmés. Yes. Ensemble des rayons lumineux périmés. C'est ça la parole. Oui, nous voyons là, si nous marchons sur la parole, je vous assure, s'il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est à cause que Pémé, nous négligeons la parole de Dieu. Vous voyez? C'est parce que nous négligeons la parole du Seigneur. Bien-aimé, yes! Nous allons d'abord ouvrir la parole de l'Éternel. On dit qu'à la loi au témoignage. À la loi au témoignage, bien-aimé. Ici, il est question que la parole doit venir soutenir, doit venir confirmer, doit venir confirmer, bien-aimé. Ça atteste la véracité, bien-aimé, de ce thème. Toute chose est tirée à l'intérieur. Là, c'est tiré là-bas à l'intérieur, bien-aimé. Yes! Puis ça parle, c'est un trésor. Un trésor, bien-aimé. Nous savons que le trésor, il y a des choses là-bas à l'intérieur. Il y a des choses là-bas à l'intérieur. Voilà. Bien-aimé. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Dans 1 Samuel chapitre 19, jusqu'au verset 24. Je lis rapidement. La guerre continuait. David marche contre les Philistins et se battit avec eux. Il fit éprouver une grande défaite. Il s'enfuit devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la maison. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre le paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de la lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle fit descendre par la fenêtre de David, s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'elle s'échappa. Ensuite, Michal prit le théraphime qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Alors Saül envoya des gens pour prendre David. Elle dit: il est malade. Saül les envoya pour qu'il le visse et dit: apportez-le dans son lit afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent et voici, le théraphime était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal: pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül: il m'a dit, laisse-moi aller et où je te tue. C'est ainsi que David a pris la fuite. Bien-aimé, je vais d'abord m'arrêter là. Je vais d'abord m'arrêter là, bien-aimé. Je lis d'abord jusqu'à ce niveau pour on va gagner en temps. Parce que la lecture est tellement les éléments essentiels. Bien, mais écoutons très bien. Michal est la fille de Saül. Vous voyez? Elle est la fille de Saül. Et là, maintenant, David a épousé la fille de Saül qu'on appelait Michal. Bien aimé. Et regardez très bien comment Michal. Ouais, Michal avait le choix entre son père ou son mari David. Alléluia, bien aimé. Michal avait le choix, bien-aimé. Ici, Michal n'a pas. Or, Michal a marché. Michal n'a pas regardé. Il n'a pas marché selon les caprices de l'émotion familiale. Mais Michal a vu que ce que son père veut faire à David, ce n'est pas une bonne chose. Et Michal n'a pas permis que son père tue David. Et voilà pourquoi le père, Saül, qui est le père de Michal, dit à Michal que pourquoi m'as-tu trompé? Voilà, tu fais partie mon ennemi. Vous voyez?
Tu fais partie, mon ennemi. Bien, je vais encore revenir sur ça. Il faut que je lis encore quelques passages. David s'enfuit à Najot, près de Ramat. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il veuille ma vie? Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me chercherait-il cela? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant, ton père sait bien que j'ai prouvé grâce à tes yeux. Il aura dit que Jonathan ne sache pas. Cela lui fait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune. Je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié et de lui laisser faire une course. Et à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu dans de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime à moi, ôte la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi, la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre, David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondait durement. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortiront dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans des cas où mon père trouvera bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je laisserai partir afin que tu ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Alléluia. Bien, je m'arrête là. La lecture est tellement longue, mais je vais m'arrêter là. Bien aimé, écoutons que bien, il s'agit Michal et la fille de Saül, Jonathan et le fils de Saül. Regardez la chose. Regardez comment Jonathan et Michal, bien-aimé, n'ont pas marché selon l'émotion. L'émotion, les caprices et l'émotion familiale. Vous voyez? Or, Jonathan pouvait dire que non, c'est David. Ça veut dire que Jonathan pouvait dire que si Saül meurt, c'est David qui sera roi. Oh, au lieu que c'est Jonathan qui devient roi à la place de son père. Jonathan n'a pas regardé ces choses. Jonathan n'a pas été jaloux à l'égard de David. Jonathan n'a pas eu la haine à l'égard de David. Mais Jonathan avait fait une alliance avec David. Vous voyez? Il a fait une alliance avec David. Et dans cette alliance, Jonathan ne pouvait pas trahir David et bien-aimé. Et Michal aussi avait une alliance avec David parce qu'ils étaient mariés. Ils étaient mariés, bien-aimés. Regardez comme leur père sont levés, qu'on dit que vous êtes mes enfants, mais vous êtes en train de défendre mon ennemi. Parce que Saül est en train de les prendre et prenait David comme son ennemi. Or, David n'était pas son ennemi. Juste à cause de la jalousie, à cause qu'il a vu que l'onction était sur David. Dieu était avec David. Bien-aimés, entrons-le dans les profondeurs. Pour prêcher ces choses, bien-aimés, quand nous disons que nous sommes en Christ, écoutons très bien, quand nous disons que nous sommes en Christ, la même manière que nous avons le sang familial, ce sont la même manière, tous ceux qui sont chrétiens, la sève qui est en Christ, on a le même sang de Christ en nous, bien-aimés. Ça signifie quoi? Nous avons le même sang de Christ
en nous. En réalité, Jonathan et David, ils avaient un même lien dans le Seigneur. Mais le lien dans le Seigneur a dominé. Ça a plus dominé. Voilà pourquoi Jonathan n'a pas livré David à son père. N'a pas livré David à son père bien-aimé. Et encore, je reviens encore pour tous ceux qui sont mariés, peut-être ceux qui vont aussi se marier demain, après-demain. Comme j'entends sont ces choses. En Afrique, non. Oh, que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Que c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère. Hein? Son père et sa mère, il va devenir séchère avec sa femme. Donc, quand tu es déjà marié, la bien-aimée, il faut savoir que ta première famille, d'abord, c'est d'abord que ce soit la femme ou l'homme. L'homme, ta femme est d'abord ta première famille. C'est la famille principale. Oh, parce qu'il a dit que tu vas quitter ton père et ta mère. Regardez très bien. Abraham, quand Dieu avait enlevé Abraham là où ils étaient, là où ils étaient là-bas. Abraham était allé fonder, il était allé loin de sa famille. Il n'y avait même pas de téléphone, bien-aimé. Il n'y avait rien, mais il était loin de sa famille. Il ne pouvait même pas causer par téléphone. On doit comprendre ces choses. On ne dit pas que, on ne doit pas, on ne disons pas que, on doit abandonner notre famille. On doit se donner notre famille. Non. Attention, bien-aimé. Attention quand Dieu dit quelque chose dans la parole. Bien-aimé, respectons la parole du Seigneur. Respectons la parole de Dieu. C'est la même chose. En ce qui concerne l'alliance entre David et Jonathan, c'est l'alliance maintenant en Christ. Puisque en Christ maintenant, quand nous avons aussi des frères et sœurs, nous sommes lancés au Christ, donc nous avons le même sang. Ça veut dire que nous avons le même sang, la même manière que tu as le même sang avec tes frères consanguins, tes sœurs consanguines. Vous voyez? De la famille, vous avez le même sang familial. Surtout comme ça qu'en Christ, ceux qui sont la vraie sainte doctrine, vous avez aussi le même sang en Christ. Ça veut dire que tu as deux familles. Tu as ta famille de la chair. Tu as aussi la famille en Christ. Ça veut dire que tu as la famille en Christ, bien-aimé. Tu as aussi la famille en Christ. Mais si tu fais que, si quelqu'un fait que, imagine que les gens qui. L'émotion de famille, c'est quoi? Je vois comment un membre de ma famille, avec le fait que tu sais que je suis là. Tu sais très bien que ça c'est une sans-Christ, ça c'est un franc-Christ, vraiment, qui n'a rien fait du mal à ta famille. Maman de ta famille, peut-être que se lève pour faire quelque chose ou pour conspirer et tout ça. Après tu connais ces choses. Après tu vas dire que non, comme c'est ma famille, je ne peux pas exposer, comme c'est ma famille, je ne peux pas exposer, je ne peux pas. Donc, cette sans-Christ ou cette franc-Christ là, n'est pas aussi ta famille en Christ. Vous n'avez pas aussi le même sang que le sang de Jésus-Christ qui circule en vous. Oh, ici on doit marcher selon l'équité. On doit marcher selon la justice, selon l'équité. Parce que les choses que nous voyons dans la famille auparavant, quand on n'était pas encore dans la scène aucune, les choses que bien, il n'y a pas l'équité. Les choses que quand on dit que se passe comme ça, ou hein, comment dire d'abord que non, on va faire comme ça. Non, bien aimé. Nous allons encore lire rapidement la parole de Dieu. Pour nous prouver davantage. Mais avant de lire même la parole de Dieu à ce niveau, avant de lire la parole de Dieu sur 2 Rois chapitre 15, bien-aimés, je vous assure, regardez très bien, parce que soyons très attentifs. Le Seigneur est très clair. Et je répète encore, dans la sainte doctrine, quand Dieu a des alliés, la parole de Dieu est très claire. L'homme et la femme, ça veut dire que quittera son père, l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Voilà. Ils doivent devenir une seule chair. Voilà. Bien-aimé, il est impossible, nous allons voir aujourd'hui, dans certains mariages, dans certains couples, bien-aimé, nous allons voir que à cause de la famille, il y a des problèmes dans le couple. À cause de la belle famille, il y a des problèmes dans le couple, bien-aimé. L'homme qui est en train de vendre sa femme chez ses parents, la femme qui vend son mari chez ses parents, bien-aimé. Attention, Dieu va. Bien-aimé, quand on entend que le mariage, c'est l'institution que Dieu a donnée. Ça, c'est les institutions que Dieu a données. Je vous assure, c'est la même chose. Quand nous entendons que nous sommes en Christ, frères et sœurs en Christ, il y a des institutions, des principes que le Seigneur donne. Les principes que le Seigneur donne, bien-aimé. Donc, ça veut dire qu'on doit marcher en équilibre. On doit marcher en équilibre, bien-aimé. Nous devons marcher en équilibre.
Nous allons voir aujourd'hui. Oui. Oh, nous avons deux familles. Je sens que je parle très bien que ceux qui sont vraiment avec son doctrine, totalement avec son doctrine, pas des choses qu'on va dire qu'il y a des fausses soeurs, des faux frères. Je sens que ce n'est pas des vrais frères, des vraies soeurs. Voilà. Là maintenant, tu es au milieu. Tu as tes sanctifs, tu as tes frères, tes sanctifs, tu as aussi tes soeurs et tes frères aussi. Consanguins. Nous sommes d'accord. Oui, tu as ta mère, tu as ton père qui t'a mis au monde. Bien aimé. Et aussi, les mamans aussi qui sont dans le Seigneur. Donc, pour couvrir les sangs, qu'est-ce qu'ils sont aussi? Les mamans qui sont âgées, qui peuvent être âgées. L'âge de. Tu peux avoir l'âge de ta maman. Et tu vas voir qu'ok. Oui. Tu veux dire que tu as deux familles. Tu as deux familles. L'autre famille, j'ai telle famille à cause. Parce que nous avons le même sang. Nous sommes liés par le sang de Christ. Et maintenant. Avec ma famille, je suis lié avec ma famille par le sang familial, la généalogie bien-aimée. Qu'est-ce qu'il y a lui à faire? Bien-aimé, regardez très bien. Il y a parfois quelqu'un, tu vois ton frère ou ta soeur. Bien-aimé, ta soeur qui est dans l'équité, qui est dans la justice, et soeur en sang Christ, qui est dans l'équité, qui est dans la justice, et que tu vois que ici là, cette soeur, ce frère-là, si je lui viens en aide, je peux payer par exemple, ta soeur en Christ, il a un souci. Ta soeur aussi, ta soeur en Christ, bien, ton frère en Christ a un souci. Ton frère, consanguin, souci, ok. Là, en ce moment, tu te recours avec quelque chose en main. Là, l'émotion va dominer. Donne tout. Il faut donner tout à ton frère. Ton frère consanguin. Ah, il faut donner tout. Oh, quand tu regardes même ton frère consanguin, même, il n'est même pas encore dans la scène aucune. Et même peut-être tu vois que ce qu'il demande, ce qu'il a demandé qu'il veut faire. Ce qu'il va demander qu'il veut faire, qu'il a envie de faire, tu vas voir que c'est un truc qui peut attendre. Oh, si je vois que mon frère en Christ ou ma sœur, ce qu'il veut faire, je vois que c'est encore plus ce qui glorifie Dieu. Bien-aimé, je vais d'abord aider ma sœur en Christ, bien-aimé. Parce que ce que j'ai discerné, si c'est que mon frère consanguin dit là, mais je vois que ça partage, j'examine. Je n'ai pas, là, je ne suis pas dans l'émotion familiale. Je ne suis pas dans les caprices, mais je suis en esprit, bien-aimé. Je suis en esprit, mais j'écoute ce que le Seigneur me dit. Oui, le Saint-Esprit, là maintenant, sur ma voix, est clair en esprit. Je ne dis pas de faux en Christ. Je dis qu'il fait ça, un vrai frère en Christ, bien-aimé. Ou bien une vraie maman, bien-aimé, qui a l'âge de ta maman aussi, en Christ, qui est là, qui est dans l'intégrité, qui est dans la justice. Là, à ce coup que, ok, ma famille est dans le besoin. Aussi, un frère, une sœur, qui sont aussi là, il est aussi dans le besoin. Ok, je vais examiner. Ok, j'examine. Oh, si je vois que, ok, si je vois que non, il faut d'abord, soit je vais essayer de faire que une petite, j'ai des camions comme là-bas, je le sais un peu cela. Puis, mais c'est ça que Dieu nous demande. On ne doit ni jeter la famille consanguine, on ne doit ni jeter aussi, hein. Des vrais frères qui sont en Christ. Parce que le Saint-Esprit, parce que nous faisons les choses avec l'émotion, oui. On va dire que les gens vont parler selon les adages du monde. Ils vont parler selon les adages du monde bien-aimé. Non, dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Ça, dans Dieu, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. On ne doit ni régner notre famille, là où nous sommes nés, ni aussi nous avons aussi une famille en Christ. Ça veut dire que nous devons aider partout. Aider notre famille, aider ici, en Christ, bien-aimé. Aider ça que parce que parfois on peut se dire que c'est ta famille, c'est notre famille qui va nous faire quelque chose, qui peut, mais ce sont même la famille en Christ, qui peut même, qui, c'est la famille en Christ, demain on ne peut pas arriver. Ce sont eux qui peuvent intervenir. Ce sont eux que Dieu peut utiliser, bien-aimé. Ce sont eux que Dieu peut utiliser. Hein? Que le Seigneur peut utiliser, bien-aimé. Regardez. Mais je vois que non. Si ce qu'il fait là, c'est que mon frère en Christ ou ma sœur en Christ avait fait. Or, nous savons qu'un frère qui était en Christ, tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Or, dans notre famille, tout ce qu'ils font là, ils ne sont pas encore dans la sainte glorie. Ce n'est jamais pour la gloire de Dieu. Ce n'est jamais bien-aimé pour la gloire du Seigneur. Nous savons que tout ce que les vrais frères, les vrais sœurs, quand ils sont dans la sainte, tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont faire ce qui concourt selon la gloire du Seigneur. Le pour eux, c'est que pour la gloire de Dieu. Mais nous allons voir que dans notre famille, paternelle et maternelle, tout ce qu'ils vont faire, ce n'est pas toujours pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas toujours pour la gloire de Dieu, bien-aimé.
Hein? Ce n'est pas toujours pour la gloire du Seigneur. Mais nous devons aussi les aider. Ça ne signifie pas qu'on ne doit pas aider bien-aimé. Nous ne devons pas aider. Nous devons aider parce que là, nous avons un devoir. Le même devoir que nous avons dans notre famille d'aider. Dieu aussi nous a ce même devoir d'aider les sœurs en Christ, les frères en Christ qui n'en ont pas bien-aimé. Si Dieu nous a fait grâce d'avoir. Même le peu même que Dieu nous donne, les sacerdotes, ce n'est pas seulement d'aider avec l'argent. Tu peux aider avec la prière, tu peux aider avec tes choses bien-aimées. Si tu as fait ton petit sang là, ton maillot là bien-aimé, quand tu peux un peu récolter là, tu aides avec ce que tu as. Mais nous allons voir comment seulement tout aider seulement nos familles de la chair. Mais on oublie qu'on a une famille en Christ bien-aimée. Ça, on appelle ça les caprices. Le Seigneur ne marche pas selon ces gens, les caprices. On appelle ça l'égoïsme, bien-aimé. L'égoïsme. On appelle ça l'égoïsme. Je vois comment ma sœur en Christ, nous tous, mon frère en Christ, il est là. Vraiment, il est dans l'intégrité. Il est dans la justice. Il est là, vraiment. Moi-même, le Seigneur m'atteste. Je vois vraiment, il est dans un souci. Mais je ne le gère pas. Oh, Dieu m'a fait grâce que je peux l'aider. Mais je ne le gère pas. Je ne le gère pas. Oui, parce que j'ai toujours les raisonnements. Non, ma famille a beaucoup de problèmes. Ma famille, mais depuis que tu fais, est-ce que les problèmes sont finis? C'est fini? Dites-moi, est-ce que c'est fini dans nos familles? Maternel et paternel, bien-aimé. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Parce que donc, on sait les raisonnements. Parce qu'ils ne veulent pas, nous ne voulons pas aider nos frères sans Christ, parce qu'on a toujours des raisonnements bénis. Bénis. Je vous assure, Dieu, le Saint-Esprit, quand nous sommes en scène au crime, le Seigneur, c'est l'équité. Il doit faire l'équité entre la famille en Christ et la famille consanguine. La famille en Christ, ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui qui l'a créé. Ce n'est pas celui qui a créé. C'est comme ça. Alléluia. C'est mauvais. C'est aussi mauvais de ne pas venir aider à ta famille. Que tu aides seulement les francs et tout ça, mais tu n'aides pas ta famille. Là, je suis mauvais. Parce qu'il dit que celui qui n'aide pas sa famille, il a arrêté même sa foi. Il est plus pire qu'un infidèle. Donc, ça veut dire que l'équilibre. L'équilibre, bien-aimé. Ça veut dire que l'équilibre. Vous voyez? Regardez ce qui s'est passé ici. Mical avec Loki. Mical avec Jonathan. Or, Mical avait un lien de mariage avec David. Et Jonathan avait un lien spirituel avec David. Regardez comment ils ont défendu David. Et contre le père. Les menaces de mort de leur père. Imaginez si Jonathan ou Mical, ils marchaient seulement selon l'émotion familiale. De leur père, je vous assure, David devait mourir, bien-aimé. David devait mourir. Et ils se sont battus. Raison encore la part de Dieu. 2 Rois chapitre 15, verset 1. Le 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatia, roi de Juda, régnant, il avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Seulement les hauts lieux ne disparut point. Le peuple offrit encore des sacrifices et des parfums et des olives. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple d'Israël. Le reste des actions d'Azaria et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des Rois? Azaria se couchait avec son père et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jonathan, son fils, régna à sa place, et Jotham, son fils, régna à sa place. La 15e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël, Samarie, et il régna 6 mois. Et il faisait ce qui est mal à ses yeux. Comme il avait ses pères, il ne se détournait point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat.
qui avait fait pécher Israël. Et Shalum, oh, j'ai envie de chercher exactement. Vraiment, je vois vraiment que je me suis trompé sur ce passage biblique. Mais je connais un peu ça. Oh. Non, c'est pas ce passage, c'est pas ce passage. Bien-aimé, vraiment, vraiment bien-aimé, je vais prendre l'exemple. L'exemple avec, on appelle le roi, il s'appelait le roi. Attendez, je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vais un peu ouvrir la parole du Seigneur dans deux rois. Deux rois. Bien-aimés, nous voyons que c'est pour vous montrer encore comment on dit que l'émotion, le Saint-Esprit ne marche. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, bien-aimé, la personne, celui qui marche en esprit, le Saint-Esprit va toujours faire qu'il marche en équité, en équilibre, que ce soit entre que ce soit, le Seigneur va toujours faire l'équité, va toujours faire pratiquer la justice au milieu de toute personne, au milieu de tout le monde. Le Saint-Esprit, il est là, il marche dans l'équité, je vous assure. Le Seigneur, il marche dans l'équité, bien-aimé. Le Saint-Esprit est juste. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé tout le monde. C'est lui qui a créé tout le monde, bien-aimé. C'est juste que nous voulons toujours laisser que les désirs de la chair, les caprices, oui, les caprices là nous contrôlent. Nous contrôlons bien. Nous devons enseigner la parole de Dieu profondément, sans blaguer. Sans blaguer, bien aimé. Nous devons enseigner la parole du Seigneur. Bien aimé, voilà. Bien aimé, vraiment. Nous allons voir. Il y a un roi qu'on appelait vraiment, ça m'échappe vraiment. Et nous allons constater que le roi là il avait, il craignait le Seigneur, vous voyez, il craignait le Seigneur et sa mère était reine, vous voyez, quand son père est mort, son père qui était roi. Oui, et quand son père était roi comme ça, son père est mort, et maintenant la femme de son père, sa mère était reine. Maintenant le roi devient maintenant, c'est lui qui devient roi. Et maintenant son père ne créait pas le Seigneur, mais lui, il créait le Seigneur. Et maintenant le roi là maintenant, comme il créait le Seigneur, il marchait en esprit. Il l'a enlevé, à part de dire qu'il a retiré à sa mère la dignité de reine. Oui, c'est son fils, il lui retire la dignité parce que sa mère adorait les Astartés, les idoles. Oui, les idoles, il faisait les sacrifices dans les autels des Baals. On dit qu'il avait retiré la dignité de reine à sa mère, qui était reine. Lui, il avait retiré parce que sa mère n'adorait pas le Saint-Esprit en vérité. Sa mère servait les faux dieux. Oui. Oui, sa mère étant de servir les faux dieux. Est-ce que nous voyons comment les choses se passent? Mais si ne marchait pas sur l'esprit, si lui aussi servait des faux dieux là, il allait laisser sa mère aussi demeurer reine. Mais comme il servait sa mère, lui et sa mère, ils servaient les dieux différents. Mais c'est que comme nous savons que c'est la place qu'il fallait que celui qui crée le terrain doit prendre cette place. Il a retiré la dignité de reine à sa mère. Parce que sa mère n'était pas digne d'être reine en Israël. C'est comme ça. Et c'est son fils qui retire cette dignité de lui. Arrêtez, son fils, ce n'est pas qu'il ne fait pas ça par sa force. Parce qu'il est animé par le Saint-Esprit. Son fils est animé par le Saint-Esprit, bien-aimé. Il est animé par le Saint-Esprit. Il écoute le Saint-Esprit. Il écoute le Saint-Esprit, bien-aimé. Hein? Il écoute le Saint-Esprit, bien-aimé. Donc là, nous voyons là,
là où nous voyons là vraiment. Hein? Voilà. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je suis là. La 17e année de Pekach, fils de Remélia. Akas, fils de Jotam, roi de Juda, rien. Akas avait 25 ans à Jérusalem. Bon. Bien, mais si je commence à lire là, il y a encore d'autres passages qu'il doit prêcher. Je préfère passer, c'est encore une lecture, c'est tellement long. Parce qu'il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament que je vais utiliser maintenant. Donc, bien, mais je préfère, comme j'ai raconté là, ça reste comme ça. Maintenant, nous allons passer rapidement sur... nous allons ouvrir la parole de Dieu maintenant. La parole de Dieu maintenant dans Luc. Luc chapitre 8, verset 9 à 21. La mère et les frères de Jésus vont le couver, mais il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, il désire te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Bien aimé, vous avez pensé que les choses que je suis en train de dire, l'enseignement le prouve. J'ai eu qui dit que, là en ce moment, on dit que la mère de Jésus et ses frères sont en train de la peiner, bien aimé. Désire le voir. Mais il dit que ma mère et mon père, ce sont ceux qui écoutent la parole. Ça veut dire que là, Jésus qui reconnaît que spirituellement, il a une famille spirituelle. Et là maintenant, je dis, oh, sa mère et ses frères, qui sont le même lien de sang avec lui, ils désirent le voir. Mais il fait d'abord la volonté du Seigneur. Ça peut la volonté. Ce n'est pas que Jésus qui n'est pas allé le voir. Il a d'abord fini de faire la volonté de Dieu. Il a d'abord fini de faire la volonté du Seigneur. Il a d'abord fini de, Jésus a d'abord fini de satisfaire spirituellement c'est ceux qui sont ceux qui ont l'âge de sa mère, ceux qui ont aussi l'âge de ses frères, qui écoutent la parole. Ouais, mais ça ne dit pas qu'il n'est pas allé là où sa mère et ses frères voulaient le voir. Il allait, mais il fallait d'abord qu'il fasse d'abord la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu lui demande de faire? Qu'est-ce que le Seigneur lui demande de faire? Je fais d'abord cette volonté. Cette volonté, combien de fois parmi nous, leur famille, combien de fois parmi nous, leur famille de sang les fait chuter. Leur famille de sang sont à l'origine de leur chute, l'origine de leur, l'occasion de leur chute, bien-aimé. L'origine de leur stagnation, de ne pas monter spirituellement. Bien-aimé, je vous assure, marchez en esprit avec votre famille. La famille de la chair, la famille du sang. Si vous ne marchez pas, vous marchez sur l'émotion familiale. Les esprits familiers vont vous stagner, bien-aimé. Les esprits familiers vont vous bloquer bien. Parce que quoi, ça, Dieu va laisser que ça vous bloque parce que vous n'agissez pas selon la parole de Dieu à ce niveau. Vous voulez quoi? La loi spirituelle est très claire. Dieu nous a enseigné comment fonctionner. Il nous a demandé de fonctionner. Mais si nous avons l'émotion familiale, l'émotion familiale, l'esprit familial là, l'émotion familiale, que tu agis contre ce que Dieu dit dans sa parole. Mais les esprits familiales, les esprits familiales bien aimés vont vous retenir captifs. Et voilà quoi, vous allez voir les regards. Vont vous retenir captifs, bien aimés. Et ça vous empêche de discerner, de comprendre la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. Bien aimé, on doit marcher en esprit avec les membres de nos familles parce qu'ils ne sont pas convertis. L'esprit familier est encore là. Et comme je dis toujours que dans nos familles, toute personne qui n'est pas encore convertie, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Du coup, l'esprit familier les influence à tout moment. L'esprit familier peut influencer nos enfants, influencer ta mère, influencer ton père, influencer tes oncles, influencer tes cousins comme ils veulent. Mais alors, quand ils vont venir te parler là, l'esprit familier russe, hein,
Il vient parler avec douceur, tu ne connais pas Saint-Esprit. Oui, comment ton maman et ta famille te parlent avec douceur, il rit. Oui, l'émotion familiale, nous sommes habitués à l'émotion familiale. En réalité, c'est l'esprit familier qui est déjà derrière lui, qui est en train de parler avec ruse. Avec douceur, avec ruse. Et là, si tu, maintenant tu tombes, là, tu es voilé, périmé, tu es dans l'émotion familiale, tu es dans les sensations charnelles, périmé. L'esprit n'est pas activé. Et là, comme il y a la douceur et tout ça, dès que tu ne vas pas examiner ce qu'il te demande de faire, dès que tu fais, périmé, tu vas constater. Dès que tu fais, tu es tombé dans le piège du diable, périmé. Parce que, oui, parce que c'est comme ça. Nous allons voir aujourd'hui. Parce que c'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Il y a parfois aujourd'hui, toi-même, tu es au courant, tu sais que ce que ta famille va aller faire avec cette agence-ci, c'est pour aller faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Tu es au courant, tu connais, c'est pour aller faire des choses que Dieu a eu, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu donnes, sache que le Seigneur, que tu es au courant, bien-aimé, et que tu es au courant, bien-aimé. Mais, et que tu es au courant, bien-aimé, on doit montrer à ces gens-là que nous, on sait du Seigneur, en espérant vérité, pour qu'ils nous suivent. Pour qu'ils doivent nous suivre, bien-aimé. Oui, c'est encore autre chose. Si je donne, je ne sais pas ce qu'il devait faire. Si il devait faire ce qui n'est pas caca de la volonté de Dieu, là, je ne suis pas au courant. Mais si tu es au courant, bien-aimé, que ce qu'il va faire, c'est quelque chose qui n'est pas cadré avec la sainte doctrine, quelque chose qui n'est pas cadré avec le Seigneur. Et tu es au courant, bien, ta conscience va te juger. Vrai ou faux, bien-aimé, si ce qu'il dit est faux, est-ce que ta conscience ne va pas te juger? Oui, là, tu vas laisser que non. Tu vas d'abord mettre ta conscience à côté, tu vas laisser l'émotion familiale. Et maintenant, après, ta conscience même va te juger, bien-aimé. Ça va te juger. Ça va te juger. Oui. La conscience va te juger, bien-aimé. Voici la ça va te juger. Bien-aimé. Hein? La parole de Dieu nous dit quoi? La parole du Seigneur nous dit. Et je, vous voyez comment Jésus lui-même, il dit que ses frères et ses mères, ce sont ceux qui écoutent la parole. Oh, ceux qui écoutent, qui obéissent, n'est-ce pas? C'est ça que je vous disais là. Qui écoute la parole, qui obéissent à cette parole. Qui écoute à cette parole. Bien-aimé, je t'assure que tu peux avoir, je t'assure, il y a une bénédiction qui est liée. Quand tu aides les membres de ta famille, il y a aussi une bénédiction qui est liée. Quand tu aides aussi la famille spirituelle. Voilà. Il y a une bénédiction qui est liée à ça, bien-aimé. Une bénédiction qui est liée à ça. Tu peux même. Une bénédiction qui est liée à ça. Tu peux arriver en que c'est comme ça, bien-aimé. Imagine, on nous savons que la famille spirituelle, je suis en train de parler, c'est qui? C'est le Seigneur, l'esprit en vérité. Je ne parle pas des faux sœurs, des faux frères, des faux serviteurs de Dieu. Je parle des vrais, vrais là, bien-aimé. Imagine. Quelqu'un qui obéit à Dieu, qui m'a la sanctification et qui est dans le besoin, bien-aimé, qui manque et que tu l'aides. Puis est-ce que tu connais la bénédiction même que tu prends, à dépasser la bénédiction que tu prends auprès des membres de ta famille que tu aides là, qui sont aussi dans le besoin. Parce que la personne marche dans, il marche dans l'obéissance. Et là, la personne, il est dans le besoin. Mais il se préfère se retenir parce qu'il obéit au Seigneur. Hein? Parce qu'il obéit à Dieu. Allons-y, continuons. Matthieu. Ouvrons la parole du Seigneur dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Bien-aimé, ici ce n'est pas une division physique. Ce n'est pas une division où vous allez quereller, oh, monter, descendre. Oh, tu as fait, oh, non, bien-aimé. Non, ce n'est pas cette division.
Ici, ce n'est pas une division physique, mais ici, c'est la division spirituelle. Bébé, entends dans les profondeurs. Je répète bien. Si tu lis ça, tu prends ça selon le physique. Tu ne vas rien comprendre ici, ce n'est pas la division physique. Je veux que ce n'est pas la division physique ici. Il dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais on m'a dit que mais comment Jésus Christ celui qui apporte la paix, comment il dit qu'il n'a pas apporté la paix? Comment il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix? Mais comment Jésus Christ c'est lui qui apporte la paix, mais il dit encore qu'il n'a pas apporté la paix? Il n'est pas venu apporter la paix. Mais comment Jésus Christ dit que pas de division, mais il dit encore que il ne veut pas de division, même dans nos familles, mais il dit encore qu'il est venu apporter la division entre le père et la mère, entre le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il ne peut pas se contredire, mais il y a une révélation, on doit comprendre. La division qui nous parle, c'est une division qui se passe à l'esprit. Écoutez très bien, regardez très bien. Dans la famille, vous tous, vous étiez encore dans la chair. Vous tous, vous étiez encore dans le monde. Il n'y avait personne qui était dans la scène aucune. Bam! Et du coup, Dieu, le Seigneur fait grâce à une personne dans quelle scène dans la famille. Directement, dès que tu es dans la scène aucune, je t'assure, la division spirituelle est à la veille. Toi, quand tu étais pas dans la scène, tu étais uni avec ta famille en esprit. Parce que vous avez encore l'esprit du monde, vous tous. Vous avez encore l'esprit du monde, vous entendez bien. Il y avait la paix. Mais le jour que tu as gagné en scène aucune, regardez comment il y a la division. Ce n'est même pas que ce n'est pas toi qui apporte la division, mais c'est eux qui se divisent. C'est eux qui commencent à te haïr. C'est eux qui commencent à rester loin de toi. Qui commencent à rester loin de toi. C'est ça qu'on appelle la division parce que l'épée, il dit qu'il n'a pas apporté la paix, mais il a apporté l'épée. Oh, l'épée, c'est la vérité. Du fait que tu connais la vérité, et c'est cette vérité qui va amener la division dans le spirituel. Parce que l'esprit familier qui habite dans les membres de la famille, cet esprit familier ne peut pas se soumettre à la vérité, ne peut pas accepter la vérité. Par contre, toi qui es dans l'esprit de vérité, depuis le Saint-Esprit, on dit que la lumière éternelle ne peut pas cohabiter ensemble. Ne peut pas bien aimer. Voilà pourquoi nous allons constater que pour ceux qui sont en enseigne aucune, mais qui restent encore avec leur famille qui ne sont pas en enseigne aucune, ils sont persécutés à tout moment. Oui, ils sont persécutés à tout moment. Vous voyez, si tu restes encore dans ta maison familiale où toi tu es en enseigne aucune, tu vas voir qu'ils seront toujours en train d'être insultés, d'être persécutés, d'être menacés à tout moment. Arrêtez, c'est parce que c'est ça qu'on appelle la division. C'est l'esprit qui est là, l'esprit qui les influence, l'esprit familier, les démons familiers qui les influencent. Ils n'aiment pas la lumière qui est en toi, la scène qui est en toi. C'est ça qu'on appelle les apporter la division. Mais en réalité, la scène division, tu ne fais pas l'éternel. Tu dois prier pour eux parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils aussi ne sont pas relancés aucune. Tu dois connaître que c'est l'esprit qui est derrière. Tu dois aussi prier que Dieu les accorde la grâce. Que le Seigneur les accorde la grâce. Et la parole de Dieu dit que car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ça, c'est une division qui peut aussi se passer comment? Regardons très bien. Quand peut-être vous étiez encore en Christ, vous n'étiez pas encore en Christ. Et maintenant, peut-être que c'est la femme, c'est l'épouse qui entre la voie de la scène d'aucune. Après, l'épouse fait grâce que son mari entre la voie de la scène d'aucune. Bien aimé, la famille de l'épouse là, la famille de cette mari là peut. Donc, ils seront fâchés. Nous allons voir en Afrique, nous allons voir que dès que la femme a d'abord connu la scène d'aucune, et que la femme persuade son mari en qu'elle enseigne aucune. Tu vas voir comment la belle famille va se lever. Ils ne seront même pas contents. Ils vont commencer à dire que cette femme-ci, vraiment, cette femme s'est venue vraiment pour détruire. Elle est venue formater le cerveau de notre enfant. Elle est venue faire comme ça. Oh, auparavant, tu étais bien avec eux. Mais parce que tu n'as pas qu'elle enseigne aucune, tu as fait aussi que ton mari en qu'elle enseigne aucune. Vous voyez comment la division s'installe.
C'est une division spirituelle. Sa seule en spirituel pour se manifester physiquement. Mais nous maintenant, nous sommes à la Sainte Doctrine, nous qui connaissons déjà la Sainte Doctrine, on ne doit pas agir selon la chair. Quand les esprits familiaux sont en train d'agir, ils agissent sur les membres de nos familles pour manifester physiquement. Mais nous, on ne doit pas manifester physiquement. Le seul endroit où on agit dans le spirituel. C'est là-bas qu'on agit, on n'agit pas dans le physique. Or, l'esprit familial agit en même temps dans le spirituel et dans le physique pour persécuter, pour utiliser la bouche des membres de famille pour nous persécuter. Pour nous persécuter, bien-aimés. Pour nous dire que oh, vous êtes perdus ou comme ça. Mais tu ne dois pas agir. N'agis pas selon la chair. Mais toi, tu dois être, c'est dans la prière. Ce n'est que dans la prière, bien-aimés, que toi, hein, tu peux agir, tu peux te défouler. Ce n'est que dans le spirituel. Mais ce n'est pas dans le physique. Ce n'est pas dans le physique parce que eux sont manipulés par l'esprit familier. Attention, il suffit juste que ils sont manipulés. Celui qui n'aime pas son père ou sa mère, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Voici ce que ça signifie. Parce qu'on dit que celui qui aime, il faut que nous parlons comment cet amour se manifeste. Tu peux te dire que non, j'aime le Seigneur à dépasser ma fille, à dépasser mon fils, à dépasser ma mère, à dépasser mon père. Bien, mais c'est vrai que dans la bouche, il faut alors qu'il sait comme quand c'est présent. Bien, mais laissons ces choses. C'est vrai que dans la bouche, j'aime Jésus à dépasser ma mère, j'aime Jésus à dépasser mon père, j'aime Jésus à dépasser mon père. Mais une circonstance présente, quelqu'un se présente, c'est là où tu connais quelqu'un. Non, non, vraiment, tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu n'aimes pas Jésus à dépasser vraiment ta famille. Mais si tu aimes Jésus à dépasser ta famille, même si c'est quoi qui arrive, applique ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je dois marcher en esprit. Hein? Je dois marcher en esprit bien-aimé. Si on aime, c'est ça, c'est par là on sait que j'aime Jésus-Christ à dépasser ma famille. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, tu ne vas pas te précipiter, tu ne vas pas laisser que les mots sortent. Non, tu restes en esprit. En esprit bien-aimé. En esprit pour faire ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que ce qui se passe dans ma famille, qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne? Bien que ça te fait mal dans le cœur, bien que ton cœur est touché, bien que Yas, maîtrise-toi, bien-aimé. Et fais ce que la parole de Dieu te dit face à la situation qui arrive dans ta famille. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Mais nous allons voir qu'on jette d'abord la parole à côté. On jette d'abord Jésus à côté. Je couvre avec l'émotion familiale, caprice d'émotion familiale, parle des chants, hein, bien-aimé. C'est ça que tu dis que tu aimes Jésus qui l'a dépassé dans ta famille, bien-aimé. Bien-aimé, on ne va pas seulement parler dans la bouche pour connaître que nous aimons Jésus-Christ à dépasser les membres de nos familles. Je vous assure, ce sont des circonstances, des situations qui se présentent, des choses brusques qui arrivent. C'est pas là où Christ est. C'est pas là, bien-aimé. Il connaît, bien-aimé. C'est pas là où il connaît. Imagine, ton enfant ou ton père ou ta mère te demande un service et tu sais que ce service, c'est quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Comme toi, tu dis que non, après tu vas céder. Qu'est-ce que le Seigneur te demande à ce qui te donne? Ce qui est le Seigneur qui te demande là, Jésus qui te dit, qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé? Tu dois appliquer ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole du Seigneur dit, bien-aimé. Hein? Ce que la parole du Seigneur dit. Ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé, tu dois appliquer. Hein? Oui. Oui. C'est ça, bien-aimé. Oui. Il y a une situation qui va arriver. Je connais très bien que cette situation-ci,
voici ce que le Seigneur veut que je fasse, me comporte face à cette situation avec les membres de ma famille. Mais je vais mettre ce que Dieu me demande à côté pour faire. Mais quand vous entendez que certaines personnes n'arrivent pas à arriver à... Parce que le niveau spirituel, c'est pas comme les chiens, les chèques qui du ciel pour aller, ça qui de la terre pour aller pour au ciel. Nous sommes en train de monter les escaliers. Nous sommes en train de monter. Quand vous entendez que certaines personnes sont sur place spirituellement, c'est à cause de leur famille. J'ai dit, on doit marcher avec nos familles selon l'esprit, je répète bien. Pourquoi on ne va pas dire que vraiment, que certains premiers avaient dit que vraiment, on ne doit pas aider nos familles, qu'on ne doit pas. Parce que c'est qu'il y a toujours des gens qui sont comme ça. Je dis très bien, je répète bien. Je répète bien et je parle ça à haute voix. Que on doit marcher avec notre famille selon le Saint-Esprit, selon ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés. Et celui qui ne marche pas, celui qui fait que je suis arrivé, ne marche pas selon la parole. Bien de toi-même, ta vie en toi-même, tu as fait ta vie rester sur place. T'as resté sur place, bien-aimé. Et si tu vas te répandre sur les mêmes choses à tout moment. Hein? Pour quelle raison? Pour quelle raison, bien-aimé? Tu veux que ta vie spirituelle reste sur place. Je veux que c'est très clair. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et les dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ouais, ici ce n'est pas haïr. Ça veut dire qu'ici tu dois haïr les créations de ta famille, haïr l'autre, tu dois haïr les œuvres des ténèbres qui vont encore. Tu ne dois pas haïr eux-mêmes. Tu ne haïs pas eux-mêmes ta famille. Mais tu tous les œuvres des ténèbres qu'ils font. Parce que c'est là, l'émotion familiale accepte tout. L'émotion passée cautionne tout. L'émotion passée aime. Ça aime avec les œuvres des ténèbres et eux-mêmes. Non. Comment ça? Tu dois haïr les œuvres des ténèbres qui sont dans ta famille. Et si tu ne haïs pas, tu vas cautionner. Bien que toi-même, tu n'es plus dans ça, mais tu vas cautionner. Tu vas cautionner bien. Ici n'est pas question que tu ne dois pas, ici n'est pas question de haïr les membres de la famille, ton enfant ou ton père ou ta mère, non. Ici, il est question de haïr les œuvres des ténèbres qu'il y a dans ta famille et les pratiques d'abomination qu'il y a dans ta famille. Et c'est ça, bien-aimé. Tu vois que si tu ne haïs pas ça, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Directement, c'est l'émotion familiale qui va prendre la place. C'est les caprices. Les caprices, ces émotions qui vont prendre place, bien-aimé. Bien, vous pensez que aller faire un tour dans ta famille, vous pensez que on n'a pas le droit de demander aussi au Seigneur son accord. Mais on appartient plus à nous-mêmes. Si tu dis que tu es en Christ, tu appartiens à Christ, il est à ton Père. Ça veut dire que il est à ton père, ça veut dire que c'est lui qui contrôle ta vie. Et c'est lui qui connaît s'il y a un piège là-bas devant. Bien-aimé. S'il y a un piège là-bas devant. Nous allons voir aujourd'hui. C'est lui qui connaît s'il y a un piège là-bas devant, bien-aimé. Bien-aimé, si quelqu'un qui est dans le monde écoute ce que Jésus est en train de prêcher là, il m'a dit que celui-ci est fou, hein. Celui-ci est fou. Bien-aimé. C'est pour ça qu'il m'a dit. Que celui-ci est fou. Ah, bien-aimé. Ouais, que la parole de Dieu nous dit que et quiconque ne porte pas la croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il de quoi la terminer. Voilà, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent pas à railler. Bien-aimés, nous voyons déjà que aujourd'hui, il dit que qui peut construire tout sans avoir calculé ce qu'il va dépenser. Construire tout, c'est quoi? Ça veut dire que laisser
te construire dans la sainte doctrine. Te construire dans la sainte doctrine. Or, pour te construire dans la sainte doctrine, tu vas beaucoup dépenser. Or, les dépenses, c'est quoi? Les dépenses, c'est ce que tu dois renoncer. Ce que tu dois perdre. Renoncer à avoir ta propre vie d'abord. Or, quand on renonce, ça veut dire qu'on s'aligne. Quand on renonce, c'est pour s'attacher à tous les principes de Christ dans tous les domaines de la vie. Que ce soit selon les comportements avec ta famille, les comportements avec tes amis, les comportements avec tout ça et tout ça. Tu dois agir en tous les domaines selon que la parole de Dieu nous enseigne. Si c'est un domaine où tu négliges la parole, je t'assure, c'est là-bas que l'ennemi va te frapper, bien-aimé. C'est là-bas que ça sera une porte ouverte. Ça sera une porte ouverte. Et du coup, bien-aimé, tu vas voir que ta vie spirituelle, tu ne seras pas en accord avec le Seigneur. Oui, parce que j'ai négligé tel domaine d'agir, ce que la parole de Dieu me dit. Il n'y a aucun domaine sur la terre où la parole de Dieu ne nous enseigne pas. Nous enseigne sur tout. Où le Seigneur nous a pas donné les principes, nous a donné les principes sur tout. Toutes choses sur la terre. Tout. Il n'y a rien de bien-aimé. Il n'y a rien, bien-aimé. Vous voyez? De peur. Un peu qu'après avoir fini, tu ne finis pas de construire, les gens se moquent de toi. Vous voyez? C'est comme ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. Bien-aimé, il y a un jour, il y a un témoignage, bien-aimé, qu'on m'a aussi raconté, qu'un jour, il y avait, dans une famille, il y avait une sœur, voilà, une sœur que, vraiment, Dieu l'a vu, elle a enquêté dans la sainte doctrine. Elle était dans le dépouillement, elle n'était plus dans la fornication, ni tout ça. Et non seulement, vous savez que quand ça vient d'arriver, la famille te combat, tout ça. Elle était persévérante, elle était ferme. Bien-aimé, au point où sa famille s'est habituée que oui, vraiment, dans la famille. Tu sais que quand vous commencez au début là, ce n'est pas facile, la famille n'accepte pas la famille et tout ça. Combat, ils se moquent et tout ça. Mais quand tu persévères, tu veux sérieux, la famille a commencé à respecter ce que tu es. Ils vont commencer à respecter ce que tu es vraiment. Vous voyez? Respecter vraiment. Et vont même commencer à aimer. Après, là, commencer à aimer, ils vont commencer à respecter. Ah, ils savent que quand on dit que dans la famille, hey, qui a la crainte du Seigneur? Qui honore Dieu? La première chose, ils vont d'abord pointer le doigt. Hey, c'est telle personne. Oh, ils sont aussi les premiers parce qu'ils voient que tu as été ferme. Tu n'as jamais abandonné. Ils vont d'abord, s'il y a encore quelque chose dans la famille où il faut dire que la faveur du Seigneur, c'est là où on pointe le doigt sur toi. Hey, on a telle personne dans la famille. Vous voyez donc, ils étaient habitués. Maintenant, c'était que c'est cela, on savait que dans la famille, vraiment, c'est la sœur vraiment qui est la sœur de Christ, tout ça, tout ça. Mais là, un jour, soit il y avait quelle cérémonie ou quoi, on s'est dit que la sœur n'est pas en fornication, elle s'habille bien, le déprimant, elle ne s'habille pas comme les autres. Bon, on s'est dit que, ouais, combien il y a cette cérémonie, bon, on réserve, on sait que quand vraiment notre fille va venir là, nous on sait que, bon, elle n'est pas la même chose avec nous, bon, voici. Nous on réserve sa part comme ça, bien-aimé. Quand elle arrive, bien-aimé, oh, bien-aimé, elle a déjà les mèches sur la tête, elle est déjà enceinte, bien-aimé. Ah, mais la famille m'était étonnée. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien-aimé, c'est ça que la parole de Dieu nous dit ici que, c'est tout maintenant, c'est ce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu nous dit ici que, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, elle avait déjà posé les fondements, il ne puisse l'achever. Donc, avec qu'il n'a pas fini d'achever les fondements et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Ouais. Tous ceux qui le verront se mettent à le railler, bien-aimé. C'est ce que la parole du Seigneur est en train de nous dire. Vous voyez à quel point
Et je vais finir avec ce dernier passage. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je t'assure, bien-aimé, c'est très clair. Le Seigneur, je vous assure, pour que Dieu fasse certaines choses dans notre vie, Dieu manifeste sa gloire dans notre vie, bien-aimé, il faut d'abord que le Seigneur, il y a ce que je veux d'abord que Dieu se rassure. Il se rassure qu'il nous a bâti déjà. Il nous a bâti au niveau de l'émotion familiale. Ouais. Il nous a bâti. Il nous a brisé à ce niveau parce que l'émotion familiale, je vous assure, c'est quelque chose que le diable s'appuie sur ça. Pourquoi vous n'allez pas réussir la mission du Seigneur? Je t'assure. Et Dieu, et en ce moment, Dieu brise. Dieu brise ça. Voilà pourquoi nous allons voir que quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, qui est grand dans le spirituel et que tu insistes à ne pas marcher avec ta famille selon le spirituel, fait que marcher selon les caprices et les émotions familiales. Parfois, Dieu commence à ôter. Si c'est ton père qui était l'idole, il fait mourir ton père. Si ta mère fait mourir, si c'était ta fille ou ton enfant, il fait mourir. Il faut que tu fasses ton œuvre. Et c'est là quand même pour que il veut briser sa bien-aimée. Ou bien il ne va pas faire mourir. Il va faire comment? Ou bien il va commencer à. Il va orchestrer les circonstances qui vont se passer, qui vont faire que logique, ça va briser, bien-aimé, ton cœur, ça va briser ton émotion. On ne joue pas, bien-aimé. Surtout quand Dieu va faire avec toi quelque chose qui est tellement grand. Oui, puis quelque chose de grand, on ne joue pas. L'émotion familiale, c'est un grand poisson. Il ne faut pas, bien-aimé, confondre l'émotion familiale avec l'amour du Seigneur. Parce que vous pensez que l'émotion familiale ressemble à l'amour. Ça ne ressemble même pas à l'amour du Seigneur. Mais ce n'est pas l'amour de Jésus-Christ. L'amour du pur de Christ, c'est le Seigneur lui-même. On marche dans l'esprit. L'amour pur de Christ ne peut pas nous faire tomber. Un jour, quand Dieu m'a fait grâce, j'ai fait un enseignement entre la différence entre l'amour surnaturel du Seigneur et l'émotion. Voilà, les sentiments émotionnels. Je vais faire un enseignement sur ça un jour par la grâce du Seigneur. La différence entre l'amour surnaturel du Seigneur et l'émotion et les sentiments émotionnels. Les sentiments émotionnels ne ressemblent pas à l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Non. Les sentiments émotionnels, c'est la chair. Ce n'est pas. Oh, l'amour surnaturel du Seigneur, c'est un amour qui a les sentiments, qui a aussi les affections, mais ce sont les affections pures. Ces affections marchent avec le discernement, avec la sagesse du Seigneur. Avec le discernement, l'amour de Dieu pur, c'est un amour qui marche avec le discernement. Qui marche avec le discernement, bien-aimé. Donc, attention. Attention, bien-aimé. Donc, pour conclure vraiment, bien-aimé, on doit savoir faire la part des choses. On doit savoir faire la part des choses, bien-aimé. Vous voyez? La part des choses. Il y a des collections où Dieu... Nous savons qu'il y a des choses où il y a ce qu'on appelle que j'ai le lien avec ma famille, j'ai le lien avec mon époux ou mon épouse, j'ai aussi le lien avec les frères et sœurs en Christ. Bien-aimé, Dieu nous demande d'équilibrer bien toutes ces relations. Je ne vais pas dire que non, comme c'est ma famille, ça veut dire que le lien à ma famille doit être au-dessus. Non, ça veut dire que le lien du Seigneur là, que Dieu... Parce que quand on dit que vous êtes marié, surtout dans la scène d'opinion, et qu'on se fait ce que là-bas même c'est ce que sont, là-bas c'est ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Là c'est ce que Dieu même lui-même établit. Voilà. C'est vrai aussi que quand nous naissons aussi, c'est aussi Dieu aussi qui fait naître. Mais voilà pourquoi il y a l'équilibre, parce que Dieu reconnaît tout ça. Il faut faire l'équilibre, bien aimé. Il faut faire l'équilibre.
voyez, nous devons faire l'équilibre. Donc c'est ça avec le Seigneur. Ou bien on ne va pas faire que non. Moi, non. Bien-aimés, nous devons marcher en esprit. Nous devons marcher selon le discernement. Nous devons marcher selon le discernement, bien-aimés. Nous devons marcher selon le discernement. Et nous allons voir aujourd'hui, c'est beaucoup plus les mamans qui sont comme ça. Oui, les mamans qui sont toujours comme ça. Oui, que le cœur d'une maman, même si, ne le comparez pas parce que il faut, les mamans là, il faut apprendre à voir l'amour du Christ en ce qui concerne vos enfants. Ce n'est plus l'amour charnel. Sinon, cet amour charnel va vous faire souffrir. Ça va vous empêcher de confier vos enfants à quelqu'un de Dieu. Et même si tu dis que tu as confié à quelqu'un de Dieu et que cet amour charnel, tu n'as pas l'amour sur la suite de Christ pour tes enfants, quand tu vas arriver là, bien, tu vas avoir abandonné le Seigneur. Oui, tu vas faire les choses selon tes propres stratégies, en oubliant que c'est Dieu qui aime tes enfants à dépasser toi-même, c'est lui qui les a créés. Oui, en oubliant ces choses, en oubliant bien-aimé, ces choses bien-aimées. Vous voyez? Et voilà pourquoi, quand toi tu es dans le Seigneur, quand toi tu es dans le Seigneur, moi par exemple comme ça, comme je sais que ma mère est tellement émotionnelle, bien-aimée, à un autre degré. Ce qui fait que, bien-aimée, quand le Seigneur lui commençait le brisement avec moi, ou tellement trop de souffrance et tout ça, bien-aimée, non, ce genre de choses, je ne peux pas lui dire, bien-aimée. D'abord, il n'est pas encore trop spirituel. Je ne peux pas lui dire ce genre de choses. Non, sinon, vraiment, elle sera dans les plaies, bien-aimée. Non, elle sera bien-aimée aujourd'hui, là. Quand il y a quelque chose qui se passe dans ma famille, et tout ça, bien-aimée, je dois rester en esprit, même si c'est quelque chose qui fait. Oh oui, auparavant, bien-aimé. Auparavant, il y avait des choses. Ah, si quelque chose arrive comme ça, même ma famille, quand elle n'était pas encore assez, donc, si ça arrive, comment je vais faire? Je vais. Là, j'espère. Non, l'émotion familiale, non. Là-bas, vraiment, c'est la chair. C'est la chair, vraiment. Oh, quand tu es bâti en esprit, yes. Même s'il y a quoi qui arrive, c'est que, bien-aimé, le cœur est fermé, bien-aimé, tu chères en esprit. Mais c'est la grâce que Dieu qui fait cette grâce. Tu gères l'esprit. Parce que tu ne gères pas l'esprit. Tu risques de désobéir au Seigneur. Tu risques de te déconnecter du Seigneur. Tu risques d'aimer pour qu'après encore tu vas revenir. Ah Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, parce que là tu as donné raisonnement à Dieu. Seigneur, c'est parce que. Non. Il n'y a pas de raisonnement. Or, du moment où avant il a demandé pardon. Du moment où c'est qu'ils avaient fait à quoi l'émotion familiale là, ça va devenir quoi? Il y a d'abord une conséquence qui est là, bien-aimé. Bien-aimé, moi je marche selon l'esprit. Auparavant, je marchais selon l'émotion charnelle avec ma famille. Mais maintenant, je marche selon l'esprit, bien-aimé. Selon l'esprit, bien-aimé, c'est l'esprit qui connaît ce qui est mieux. C'est-à-dire, je ne connais pas ce qui est mieux pour ma famille, c'est l'esprit qui connaît. Ça veut dire que l'esprit aime ma famille, elle m'a dépassé, il connaît ce qui est mieux à ma famille, elle m'a dépassé. Je marche, que ce soit, je marche avec ma famille en esprit, je marche avec les frères sans Christ, en esprit bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. En esprit, tout le monde, en esprit. C'est ça, bien-aimé. Tout le monde, ce n'est pas seulement ta famille, mais les frères, c'est toute personne, que ce soit, dans ton lieu de travail, marche en esprit bien-aimé. Tu ne marches pas en esprit. Tu vas confirmer, bien-aimé. Ça s'apprend, bien-aimé. Oui, ce n'est pas aussi facile du jour au lendemain. Où l'émotion soit extrême, soit souscrite, toi, bien-aimé. Surtout avec les mamans, vraiment, ce n'est pas facile avec les mamans. Hein. D'accord, quand tu arrives à l'enfant, vraiment, non, bien-aimé. Après, quand ça arrive, confie d'abord au Seigneur. Avant toute chose, il faut tomber d'abord dans la face de Jésus-Christ. Ah, yeah, c'est vrai. C'est vraiment que bon. Bon, c'est ça, bon, c'est vraiment ça. Mais vraiment, tu te confies d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu le pries vraiment à quoi? Ah, Seigneur, je confie cette affaire et tout ça et tout ça. Et là, maintenant, va te donner la sagesse. Comment faire face à ce qui est en train d'arriver là? Comment? C'est ça. Mais si d'abord, tu t'emportes
avec cette émotion vraiment bon. C'est après que, c'est après maintenant que tu vas penser, hey, tu vas venir penser au Seigneur après. Donc tu vas d'abord laisser que l'émotion va bien t'emporter. Mais c'est après maintenant que tu auras fait, tu vas venir penser à Jésus qui s'apprête. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, bien aimé. Donc ne marchez pas selon les caprices. Donc c'est ce que la parole de Dieu voulait nous enseigner vraiment. Voulait nous enseigner, bien aimé, vraiment, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la grandeur, la force, la royauté, les remerciements, la connaissance reviennent à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, pour des siècles et des siècles et pour toujours. Amen.